Yahweh, Yahweh, bate la Nikomo. Yahweh, Yahweh, bénisse Nikomo. Yahweh, Yahweh, bate la Nikomo. C'est l'heure de vous informer sur Ma Bannière Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, du mardi 8 octobre 2024. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. En itinérance dans le territoire de Songololo, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de la route Kimpese Villa 1 et 2. Ensuite, le gouverneur de la province du Congo central a ordonné la construction d'un centre de santé et d'une école moderne au village Lovo. Suivez. Il n'est plus un simple concept. Le vaste programme de réhabilitation des routes et des sites agricoles dans la province du Congo central commence à prendre corps. Les tronçons routiers Congo-Diakati-Sungamani, longs de 52 km, ouvrent la piste. En itinérance dans les territoires de Songololo, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt capital pour la population du secteur de Kimpese le lundi 7 octobre 2024. La cérémonie s'est déroulée dans la cité de Kimpese. Faisant de la sécurité son cheval de bataille, Grace Bilolo a offert 10 motos à la police nationale congolaise du territoire de Songololo pour renforcer son charroi automobile. À l'issue de la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Congo-Diakati et celle de la remise des engins, le premier d'entre les Bena Congo s'est rendu au village Lovo Centre, situé à plus de 80 km de la cité de Kimpese. Sous les ovations du public, l'exécutif provincial est accueilli par ses administrés. Frappé par l'état de dégradation du centre hospitalier Lovo, Grace Bilolo a remis un lot important de matériel sanitaire aux responsables de ces centres de santé. En l'occurrence, le médicament, les matelas, microscopes, sans être exhaustive. Il a ensuite ordonné la construction d'un nouveau centre de santé et d'une école moderne. Accompagné de quelques députés provinciaux et membres de son gouvernement, c'est aux alentours des 18h qu'il a quitté le village Lovo. Et puis, parlons de la marche pacifique réprimée de quelques élèves des écoles publiques de la ville de Matadi, dont l'Institut technique professionnel ITP en sigle le lundi 7 octobre 2024. Le ministre provincial de l'Éducation et de l'Intérieur a éclairé l'opinion. Quant à ces précisions, c'est dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. L'émotion était grande. La panique était totale dans le chef de la population le lundi 7 octobre 2024. Cette marche pacifique des apprenants de quelques écoles publiques de la ville de Matadi, réprimée, qui réclamait la reprise des cours, était à la base de cette pression mentale. Scandant des chants, les marchands ont été dispersés par les agents de l'ordre par des tirs, des balles. Par ailleurs, d'autres images attestent les comportements non responsables de quelques apprenants qui déchiraient les effigies le long de la chaussée. À en croire le ministre provincial de l'Éducation, Thomas Kiakokwa, l'un parmi les manifestants a été appréhendé avec une machette. C'est fort regrettable. Au niveau de Tétéba, on a arrêté un garçon qui avait même une machette avec lui. On se demande, est-ce que réellement ce sont des élèves ou bien ce sont des colonnes qui voulaient profiter du désordre causé par les enseignants. Au niveau de Londres aussi, on a arrêté 3 élèves qui ne sont pas de Londres, mais qui sont de l'ITP. Le ministre provincial de l'Intérieur, de son côté, parle du bilan et des mesures prises sur instruction du gouverneur de province contre cet agent de l'ordre. Aux environs de 9h, les enfants d'une des écoles publiques, en l'occurrence EPOM, ce dernier ont reçu mot d'ordre d'un certain nombre d'enseignants et ils ont, n'est-ce pas, descendu dans la rue.
Chemin faisant, ils ont entrepris de faire sortir les enfants d'autres écoles qui pour autant suivaient calmement le cours. Il n'y a eu aucun blessé parmi les enfants. À l'heure qu'il est, les trois policiers en question sont aux arrêts. Et puis, quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le lundi 7 octobre dernier la cérémonie d'ouverture de la première Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Encore une fois, retrouvez les timbres vocaux de Pacifique Mwanda. Il déroule le tapis rouge et franchit la salle pour participer à la première Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes. En sa qualité de magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture de cette institution supérieure de contrôle de finances publiques en République démocratique du Congo le lundi 7 octobre 2024. Les assises qui se sont déroulées à Kinshasa au fleuve Congo Hôtel établirent une feuille de route sur le recrutement de magistrats, la célébration de départ de ceux qui sont déjà mis à la retraite, la mise en retraite de magistrats ayant atteint l'âge de retraite et leur promotion. Tel est le mobile de cet atelier présidé par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka. Prenant parole, le numéro 1 de la Cour des comptes a réitéré sa gratitude auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour redorer l'image de cette institution judiciaire. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. Pour rappel, la Cour des comptes a repris ses activités en 2023 et ce, 37 ans après. Et voilà, c'était plutôt le timbre vocal d'un autre membre de la rédaction que Pacifique Mwanda. Dans un communiqué signé le lundi 7 octobre dernier, le ministre en charge de la justice, Constant Mutamba, a informé au public qu'il a instruit l'arrestation des agents qui ont procédé à l'exécution du mandat du parquet contre Maria Tumba, la star TikTokeuse, et le journaliste Patrick Lookala. Le détail, c'est avec Pacifique Mwanda. Cette série des arrestations n'a pas laissé indifférent le ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Dans un communiqué numéro 041 du 7 octobre 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a informé l'opinion publique qu'il a instruit l'inspecteur général de la police judiciaire du parquet d'interpeller, de suspendre et de procéder à l'arrestation immédiate de tous les agents de police judiciaire qui ont procédé à l'exécution qu'il a considéré barbare de mandat du parquet, notamment en filmant et publiant les vidéos de Maria Tumba et en s'introduisant par effraction au domicile du journaliste Patrick Lookala. Je n'ai tué personne, ok? Les arrestations ne peuvent en aucun cas être accompagnées des traitements dégradants des justiciables, rajoutent ces communiqués du ministère de la Justice. Parlons sport dans cette session d'information, mesdames et messieurs. Le calendrier complet des équipes congolaises Interclub de la CAF a été rendu public. C'était lors de la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions africaines au Caire en Égypte le lundi 7 octobre dernier. Le détail, c'est avec Claudino Lucano.
Les représentants de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions africaines connaissent déjà leurs adversaires pour le prochain tour. C'était après la cérémonie du tirage au sort organisée par la Confédération africaine de football le lundi 7 octobre 2024 au Caire en Égypte. Les deux équipes congolaises sont logées dans les groupes A et B. L'habitué de cette compétition, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, est logé dans le groupe A avec trois autres équipes dont Young African de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan, coaché par l'entraîneur Jean-Florent Ibingué et MC Alger de l'Algérie. Les Corbeaux débuteront leur première journée le mardi 26 novembre face à MC Alger à Lubumbashi. La deuxième journée est prévue le vendredi 6 décembre. Il sera reçu par Al Hilal avant la troisième journée prévue le vendredi 13 décembre à Lubumbashi contre Young African. Logé dans le groupe B, Maniema Union de Kindu a comme adversaire Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc et l'AS Phare de Rabat du Maroc. Les unionistes de Kivu débuteront la première journée à l'extérieur face à Mamelodi Sundowns, la deuxième journée à la maison face à Rabat et la troisième à domicile pour en découdre avec l'AS Phare de Rabat. Notons que toutes les rencontres de Maniema Union sont prévues à la même date que celle du tout-puissant Mazembe Anglebert. La quatrième, cinquième et sixième journée se joueront respectivement le 3, le 10 et le 17 janvier de l'année prochaine. En Coupe de la Confédération, la RDC n'a plus de représentants. Signalons que les deux équipes congolaises, l'AS Vita Club et les Saint-Éloi Lupopo, ont été éliminées lors du deuxième tour des éliminatoires des interclubs de la CAF. Au Mozambique, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés ce mercredi 9 octobre 2024 pour élire un nouveau président de la République et le membre deux assemblées provinciales. Les élections dans un contexte marqué par un marasme économique et des violences judaïstes Pacifique Mwanda. Il y a un an, personne ou presque n'avait entendu parler de lui. Mais Daniel Chapo est aujourd'hui le favori pour succéder à Filipe Nyusi à la tête du Mozambique. Lors de son dernier meeting de campagne ce dimanche, le candidat exhortait la foule à renouveler sa confiance en Frelimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans. Le 9 octobre, vous allez élire la personne qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Face à Daniel Chapo, Osufo Momade, chef du parti d'opposition Renamo, est de nouveau en lice pour la présidence. Candidat malheureux en 2019, il n'a jamais caché sa méfiance envers la commission électorale du Mozambique, l'accusant de fraude à plusieurs reprises. Le parti Renamo n'accepte pas cette manipulation qui représente une atteinte à la démocratie. Autre candidat à suivre, Venancio Mondlane, qui connaît une ascension fulgurante depuis son départ de Renamo il y a 5 mois. Charismatique et provocateur, il n'hésite pas lui non plus à remettre en question l'intégrité du processus électoral. Et s'il est loin d'être favori, ces discours enflammés ont su mobiliser une jeunesse mozambicaine désireuse de changement. Le vainqueur de l'élection devra faire face à des défis de taille et notamment redresser l'économie de l'un des pays les plus pauvres du monde, mais surtout s'attaquer au problème de l'insécurité, alors que les attaques djihadistes continuent d'empêcher l'exploitation d'importantes réserves de gaz naturel au Mozambique. Et voilà, c'était un reportage de nos confrères de la France 24. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette session d'information sur Paris ici, que nous mettons en terme d'ici là. Portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Jump.